Regardez bien ce côté-là, regardez. C'est-à-dire, ils ont été tout enlevé, tout, jusqu'à Oumé. Regardez. Tout, vont refaire tout, 0, 0, 0, 0. Ils vont reprendre tout à 0, 0, 0, 0. C'est ça un appel, ministre, là. C'est ça, là, qui est là, là. C'est ça, là. Ouais. Quoi, vous m'aider? Il n'y a pas l'homme. S'il y a l'homme, c'est que, yeah. C'est que les dames. Et là, moi, il ne peut, peut pas te concurrencer. Quoi. Regardez, c'est de faire la route de Iré jusqu'à Oumé, gratter tout, enlever tout joli d'un carton comme ça. Regardez. Ah, ah, non, on a écrit dans le lot du bois, on a écrit. Venez le louer, venez le louer, venez le louer. Allez, barrachez-vous dans votre camarade là. Voici la route là. Tu vas à Oumé là. C'est là. Vous connaissez chantier, non? Après, il y a aussi chantier devant là-bas. Voilà, après chantier, là où il a roulé, tu vas à Oumé. Ils ont gratté jusqu'à, ils sont presque arrivés à Gabia. C'est-à-dire que le goudron arrive. Après, il y a le goudron arrive, le bitume arrive. Mais Amédée, tu es l'homme. Tu es l'homme. Il te tire mon chapeau. Il dit, d'ici peu, là, vous allez voir que Divo, Oumé, goudron, Bia, jusqu'à là-bas. Il n'y a pas l'homme pour Amédée, quoi. Applaudissez plus encore. Voici le village Tiangou là, c'est sur la côte là. Tout à l'heure là, vous voyez donc, regardez là-bas, il va agrandir un peu, vous allez voir la pancarte. Regardez un peu. Regardez, j'ai coupé mon moteur, voilà. Regardez un peu, voici la pancarte du village. Et puis regardez où il se situe. Voilà, vous voyez donc, la route là, c'est un courbon, ça tourne comme ça, ça tourne pour aller à Gabia là-bas. Pour ceux qui connaissent cette route là, voilà, vous voyez. Vous voyez. Voici le village, vous avez entendu le coq là, il a crié comme ça. Non, mais c'est l'homme. La dernière fois, j'étais ici, sur ce côté-là, et puis j'ai filmé les coins. Vous avez déjà gratté le pied rouge, là. Vous avez vu ça, non? Voilà, ça peut vous dire que le goudron là, presque arrivé. Là-bas. Ah, là-bas. Tranquillement, tranquille. Bisous, bisous, bisous. Regardez. Regardez la route. Gravier ça là. Gravier ça là, gravier. Blanc là. Quand ça arrive là, c'est que vous savez que le goudron arrive. Vrai ou faux? D'accord. Il vient d'Oumé comme ça. Gravier ça là, ça arrive à Gabia. Ça dit que, je n'ai pas vous menti là. Vous voyez le bas-fond qui est après Gabia. C'est-à-dire, quand tu arrives au bas-fond net, voici Gabia, tu sors ta tête, tu vois Gabia là. Le bas-fond qui est là, là. Ça a traversé, ça a arrivé où il y a Gabia là, même on dit Gabia. Vous voyez? Regardez la route. La dernière fois ici passé, il dit qu'ils étaient en train de casser ça là. Ça a cassé ça propre pour faire le goudron, le nouveau goudron. Non, mais c'est l'homme. Il y a les voitures même, il y a les voitures qui circulent comme ça. Est-ce que tu peux croire que les voitures pourraient circuler comme ça ici dans cette zone-là? Est-ce que tu peux croire? Voici le chantier là-bas, voici le village qu'on appelle chantier là-bas. Regardez bien. Voilà, vous voyez les blancs, toitures, vous voyez là. Voilà, c'est le village qu'on appelle chantier là. Après chantier, maintenant, dans Iré là. Goudron là. Vous voyez là. Une fois j'étais là, j'ai fait une vidéo où j'ai dit gravier partait à Gabia. Voilà, c'était du gravier blanc. Donc là, quand tu roulais, il fallait rouler doucement. Il y a des risques de chute de pierre. Voilà, on a fait ça à l'auto-école. Quand il y a des graviers, il faut rouler doucement parce que voilà. Ouais, bon. Donc, là à Gabia, ils sont pas loin. Mais chaque fois, je fais cette vidéo pour voir si le bitume est déjà arrivé à Gabia. Parce que la fois dernière, le gravier était arrivé à Gabia. Donc, nous prions Dieu que le bitume arrive, même si ce n'est pas arrivé à Gabia, mais que ça arrive à l'entrée de Gabia. Et nous constatons, vous constatez avec moi de loin là-bas, ils sont sur le travail, ils sont acharnés. Ils sont sur le travail acharné, vous allez voir. Ça, c'est l'entrée de Gabia. Ça, c'est l'entrée de Gabia. Vous allez voir que le bitume est rentré à Gabia. Je n'ai pas dit le bitume est à l'entrée du Gabia. Alors là, on va vous dire à très bientôt parce que voilà, c'est pas tous les entités pour filmer. Pas tout le monde filmer. Voilà, le bitume est à Gabia, à l'entrée de Gabia. Voilà, merci. Et puis je vais couper plus rapidement. On roule doucement, doucement. Hein. Doucement, vous voyez, le travail
est en train d'être fait. Beau travail. De la vidéo, likez, abonnez-vous et puis commentez. Je vais vous parler de ce monsieur-là. On l'appelle Amédée Kouakou. Amédée Kouakou. C'est le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Quand vous voyez les belles routes à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bouaké, à Korogo, à San Pedro, partout, tout en Côte d'Ivoire, partout. Sincèrement, ce monsieur-là, il travaille, il bosse. Moi, je dis tout le temps que oui, bien, c'est vrai. On dit non, c'est temps, c'est la société, c'est du... Mais faut dire aussi que c'est quelqu'un qui est devant. Ce monsieur qui est devant, là, il peut s'asseoir, bras croisés, puis il va envoyer Kwasi, va faire Kona, va faire Digbe, il faut aller faire ça. Ramatoula, il faut aller faire ça. Et puis là, c'est... Mais vous le voyez, il est toujours sur le terrain pour le bien-être de la population ivoirienne. Quand je vois ces choses-là, je ne peux pas m'asseoir comme ça. C'est-à-dire mon corps me démange, au fait. Vous voyez le tronçon de Iré jusqu'à à Oumé. Tout d'abord, tous ceux-là même qui ont fait le tronçon de Divo à Iré. Il veut parler des années 2000, 2005, 2006, jusqu'à 2010, 2015. Pardonnez. Vous avez déjà fait ce tronçon-là. Commentez et puis likez. Vous avez vu le calvaire. Vous avez vu le calvaire. Les gens ne pouvaient même pas circuler. Quand j'arrive quelque part, avant même d'arriver à Iré, il y avait un coin là. Ceux qui sont passés là, dans car, dans massa, à moto, à voiture, ils connaissent le coin. Il y avait des acacias bizarres. Il y avait des graviers d'une manière. Quand tu même vas, ça va comme ça. Et puis il y a des creux, des ravins, des gros ravins comme ça. C'est un calvaire. Aujourd'hui, là, Amédée Kouakou est en train de travailler. Et le courage de dire merci. Cette vidéo, je la fais pour que tous ceux qui sont autour des Iré, partout là, on puisse comprendre que la route là, c'est aussi le développement. Merci. On est ensemble, les gars.